accepté perdu passion. Passion. Dans le foot. Oui. Daniel Foot, il était une même mission en Colombie, madame, monsieur. Il était une même mission en Colombie. Et c'est lui-même qui est arrivé à stabiliser la Colombie. Avec les Colombiens, bien sûr. Nous montons l'autre système pour la Colombie. Et devine là, c'est justement pour te mettre l'autre système pour Haïti. Pour te remettre le pays à Sougaïli. Eh bien, c'est pour nous montrer que. Ou elle a une bataille politique, eh bien, n'importe qui va y passer. Donc, bataille démocrate avec les républicains, hein, la fête à Haïti, à travers Mme Simpson, qui est ambassadrice américaine, qui est républicaine, et Daniel Foot, qui est envoyé spécial, qui est démocrate. Et où elle dit que tout rapport qu'on voit aller, aux recommandations, yo, si des fois, yo pas ignoré, mais rejeté, yo, yo modifié seulement. Les gens prennent conscience que nous sommes peuple qui fort. Le jour n'a prend tête nous au sérieux. Le jour n'a compte qui ça nous vaut comme peuple. Probablement donc gaguette en moui, ça a peut-être cap fait dans 50 ans dans 100 ans. Mais fourmi a va porter nouvelle ban moi. Et là ça n'a pas qui j'en capable vivre bien dans pays ça. Mais toujours dit l'émission matin débat, tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir. Mais sauf que en tant qu'haïtien faut nous être la tête haute. Ok? Il faut nous connaître exactement ça nous voulons pour payer nous. Parce que je dis, hein, pour les Américains, tout le temps, nous sommes capables de diviser. Il est toujours plus bon pour les Américains, madame, monsieur. Écoutez, moi, je n'ai rien contre les Américains. Je n'ai rien contre les Américains. Ok? Je n'ai jamais rien contre les Américains. Mais eux-mêmes, ils ont une politique par eux qui a fait. Ils ont un intérêt par eux qui a géré. Fais René Garcia Préval. C'est le cas que tu donnes. L'ancien président René Garcia Préval a fait une confidence à l'un de ses amis avant sa mort. Il dit maintenant, l'on est président pays d'Haïti, il y a des routes qu'on fait dans le pays. Il faut faire sans tambour, sans trompette. Pour Américains, pas qu'on est. Ou t'en veille, oui. Ou de cap bon pour Haïti, oui. René Garcia Préval. Qui dit là en poche, qui fait confidence en matin débat. Avant de mourir. Et de fait, madame, monsieur. Tout route où est Préval fait dans le pays, ya, comme ancien président. Nous te j'aime de René Garcia Préval à faire publicité pour vous. Est-ce que nous te j'aime de René Garcia Préval à faire publicité pour vous? Non, jamais. Parce que quelque part. Donc côté aucun pays ça. Haïti, il y a une route que le pays doit faire. Quelque part. Donc côté Haïti, pas qu'arriver, pas qu'il doit arriver. Il faut combattre ça. Je dis, écoutez, plus que la production de le pays, c'est la misère. On nous produit cette misère. Et nous entrons dans une dynamique dans tout nous-mêmes. Aujourd'hui, la misère en Haïti, c'est un produit international qui se vend très cher, madame, monsieur, à travers les ONG. Parce que si pas une misère, pas qu'il y a ONG. Et regardez ONG pour nous, là. Regardez ONG. Qui est-ce qui met ONG? Sénateur, député américain, businessman américain. Je dis, écoutez, madame, monsieur. Sous garde quantité d'argent qui passe à travers les ONG, à comparer à ce qui est fait comme réalisation en termes de projet, ou à comprendre. Pour que ça, toute ONG, la ville là, il vient avec Tiblao. Blanc. Bah, monsieur. Pour que ça, toute ONG qui vient là, il vient avec Tiblao. Blanc. Ou équipe nek sort. Ou équipe blanc sort. Qui ONG vient là avec des blancs qui sortent, qui nul. Qui n'a aucune compétence. Qui est petit blanc, Jolbo qui est. Qui vient là, qui nul. Qui n'a aucune compétence. Et je dis à nous gagner un parterre de professionnels qui est obligé de quitter le pays, qui est dans la diaspora, qui n'a pas venir dans le pays, qui n'a pas venir servir le pays.
ONG a vint là avec quantité d'argent, occupe type blanc, sort, nul, cancre. Et puis c'est eux qui viennent dépenser l'argent, et puis c'est eux qui font la loi. Et puis on tape là, c'est quoi pour eux? Il y a des professionnels haïtiens qui ont plié devant type blanc ça. Qui ont plié devant blanc ça. Qui pas qu'on a rien. Écoutez, madame, monsieur, les résultats sont là. Les résultats sont là. Moi, j'ai fait pratiquement tout le pays. Comment qu'a fait comprendre, madame, monsieur? Où ils venaient dans la section communale et pour monter l'école. Et puis, ONG construit. C'est comme ça qu'on a construit la caillou. C'est ça qu'on a construit la caillou comme l'école. Et puis, là, regardez qui quantité l'argent qui dépensait pour tirer l'école, ça. C'est pour mettre deux mains en tête. Et pour ta qui pire là, l'État, il ne sait pas qu'à poser question. Sous l'argent, ça que ONG, ça va bouler dans le pays. Là. À manger dans le pays, sous nom Haïti, l'État ici n'a pas aucun contrôle, pas même au rapport. Il n'y a pas qu'un droit à l'État ici. De quoi nous parlons, madame, monsieur? De qui ça nous parle? Le jour où nous connaissons qui ça nous vaut comme peuple, eh bien, il a respecté nous comme peuple. Le jour où nous connaissons qui ça nous voulait comme peuple, eh bien, pays ça, papa, j'aime capable d'être ça. Et pas pour cette raison que ouais, les Américains, tout on a un dossier la pi bon pour lui pour le chef dans le pays d'Haïti. Parce que quand même, cette corde, ce ficelle ça, il faut cliquer le nom. Parce que chaque ou pas qu'à bas l'Italie de là, il y a les codes là. Et pas sans raison que les nègres qui n'ont pas de drogue et qui chef. Et pas sans raison que les nègres criminels et qui viennent chef. Parce que c'est le monde sait que les Américains auraient aimé ça. Parce que c'est fort un dossier. Donc elle dit que nous avons un pays qui est condamné pour nous avoir des dirigeants qui ont un dossier qui est américain. Nous avons un pays qui est condamné pour pas avoir un monde clean qui n'a pas de pouvoir, qui peut garder les blancs dans les yeux pour dire écoutez, je suis d'accord avec oui. Ok? Mais ça, je ne peux pas faire comme ça, mais qui j'aime faire? Qui peut garder les blancs dans les yeux qui peut dire écoutez, sûrement je suis d'accord avec vous, mais le pape bon pour peuple moyen, je suis d'accord avec vous. Mais qui j'aime qui est bon pour peuple moyen? Le pape. Écoutez, il n'est pas obligé de dire non. Mais écoutez, nous n'avons pas de balle dans le pays, ça ne va pas avec vous. Nous avons l'homme en bataille, nous avons ceci en bataille, ça ne va pas avec vous. Nous avons expertise pour ça. Nous avons avec blanc pour composer. C'est avec international pour composer, c'est avec les Américains pour composer. Mais c'est dans quelles conditions qu'on prend. C'est dans quelles conditions qu'on voulait prendre. Madame, monsieur, ben là, difficile. Hey, mais. Moi, je dis à mon Kembe pour nous, parce que je vais te camper sur ça parce que je vais peut-être aller trop loin. Je vais aller trop loin dans l'analyse parce que il y a deux mains. C'est un Lucas, comment nous est? Et c'est clair qu'on prend tout à attendre l'intervention dans le matin débat. Avec qui sentiment qu'on attendait donc analyse du matin débat au matin? C'est matin. Ou à ça, et Louko. Et bon, et moi je crois que ce sentiment de l'intérêt national qui peut réagir comme ça, et réaction qu'on fait, il fait partie de l'héritage peut-être que nous recevons de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines. Et Toussaint Louverture, c'est qui ton diplomatie, rapport international pour nous qui était chita sous trois grands principes. La défense de la liberté et de la dignité humaine à travers le monde. Donc, c'est la défense ça qui fait que nous sommes des pays bolivariens, la Colombie, le Venezuela, la Bolivie, Panama, Équateur et la Trié-Joint Indépendance. C'est la même vision ça que soldats haïtiens te goumen dans savane à Georgia pour défendre l'indépendance américaine. Et les Anglais ont été venus reprendre les États-Unis en 1812. Ces soldats nous ont encore dans la bataille de Chalmette et dans la bataille de New Orleans qui t'a défendre la souveraineté des États-Unis. Et c'est dans même l'esprit ça à tout que dans la défense de la dignité humaine que nous aider la Grèce et prend l'indépendance. Donc, dans ce sens, l'analyse ou fait matin, il fait partie de et principe de base et que Toussaint Louverture et Dessalines quittaient pour nous
en matière de diplomatie, la défense de la dignité humaine à travers le monde. Le deuxième, non, c'est la défense de nos intérêts nationaux. Ça veut dire que l'analyse qu'on saute fait là, ou présenter par auditeur captain de yo, et qui ça qui représente l'intérêt national, nous voulons dire, et pas un pays qui a fonctionné s'il pas qu'a défini l'intérêt national. Li. Et la troisième composante qu'on analyse, c'est encore un héritage louverturien, c'est le jeu des alliances au niveau international. Et les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Claire. Pour ça, alliance a varié et joué. Par exemple, semaine ça a un gros compte entre les États-Unis et la France à cause de l'accord que les États-Unis fait avec l'Australie pour sous-marin nucléaire de Bali pour faire face à la montée de la Chine. Donc maintenant, jouer alliance, il y a de l'air et gain des frictions. Et sans faire matin, hein, ou font exercice académique quand on font leçon pour leader politique le matin. Et parce que quand des leaders politiques dans le pays a obligé tourner l'école et matin on mettait au l'école. Alors dit que ou dit leader politique qui capte de nous matin et monsieur faut que nous chita nous définir ça qui représente intérêt national pays a numéro 1 numéro 2 qui j'aime pas défendre intérêt national là. Dans cas spécifique qu'aura le matin ces relations nous et dans cadre traitement citoyen nous tant qu'au époque te gain l'esclavage côté blanc sous foil a essayé capturer esclave là qui sauver esclave varon et li révolter nous bagaille qui normal li révolter américain tout parce que en dans les États-Unis et même si en dans les États-Unis gon minorité qui existait vraiment qui raciste majorité peuple américain son peuple et qui gain moral son peuple qui baille peuple nous opportunité ici aux États-Unis et c'est pour ça qu'il y a 26 presque 32 à 45 élus haïtiens non américains qui ont ouvert porte pour nous pendant qu'on une minorité qui a un problème avec nous noirs et c'est pour ça Biden lui vient avec un programme pour gommer contre le racisme systémique. Le fait hier que dans la Maison Blanche ouais Jean porte-parole Maison Blanche là condamné comportement et raciste qui t'a essayé capturer citoyen nous pour son esclave marron qui lié. Très bien. Ouais, moun sa yo gen ta mete en suspension a fait enquête sou yo et ouais que Biden a essayé joindre une solution pour haïtien yo parce que faut pas oublier Biden non position difficile jodi a taux de popularité la 44% moun qui approuve Jean la travail gen 50% qui pas d'accord Jean la diriger à cause de quatre dossiers, dossier Afghanistan hein? Économie qui gagne inflation avec une banque en Chine qui fait faillite et qui gagne impact sur l'économie globale là coronavirus là côté qu'on booster que on te promet qui gagne problème avec dossier migratoire là donc li vle aider nous mais en même temps pendant li vle aider nous toute politique est d'abord locale les républicains yo c'est fann yap fann Biden pour garder qui Jean pour yo ka prendre pouvoir sur dossier ça donc li doit gérer nous on Jean côté la paix de nous mais en même temps tout ouais et garder politique locale là. Donc dans ce sens là, où font râler sous rapport avec les États-Unis et Haïti, côté gon culture d'envoi spécial, nous te vivre li sous Aristide avec William Petzoulo et William Gray. Petzoulo pas d'accord avec Gray sous question pour faire retour à l'ordre constitutionnel et dans pression Congrès journal Black Caucus yo évoqué Petzoulo et devine mettre William Gray. C'est lui-même Aristide qui provoque l'occupation militaire là. Après ça, on vient envoyer spécial en 2000 avec conseiller à la sécurité des États-Unis, Anthony Lake, qui était descendu, qui était venu signer rapport et accord 8 points avec Aristide après l'élection Piquet-Collé 2000, où lui Aristide a appliqué 8 points pour retour à l'ordre constitutionnel, là, le boulet parti politique qui vient gâter par là. Et puis, sous Madame Clinton, nous venons envoyer spécial là, qui est le chéri Mills. Des chefs de cabinet madame Clinton qui t'a monté descendre. Donc dans le cadre rapport ça yo li est plus important que pour étudiant qui dans inagé ou bien étudiant qui a étudié diplomatie yo ou bien jeune qui fait rentrer dans 49 missions diplomatiques que nous gain au niveau international yo pour nous essayer comprendre fonctionnement diplomatie américaine là parce que faut pas oublier que démocratie américaine là chita sous ça les groupes de pression qui a influence sur le pouvoir exécutif là et qui a influence sur le pouvoir législatif là. En d'un concret, groupe qui a influence sur Haïti, il y a les Black Caucus.
et il y a deux axes qui ont fait pression dans le Congrès. Il y a un axe pour Aristide, il y a un axe de l'autre monde qui a contact avec eux, soit en Haïti, soit ici aux États-Unis. Ou bien oligarque autour qui a essayé faire influence sur le pouvoir exécutif américain et oligarque de mettre diplomatie nous depuis à peu près 100 ans qui a fait monter descendre Washington. Il y a une maîtrise de Washington que la majorité de les leaders politiques pays d'Haïti ne connaissent. Et pendant que tu as fait l'enterrement président Jovenel Moïse, je finis tout le groupe de Boudon qui est en Washington a fait lobby, c'est les bonnes résolutions qui sont dans le Congrès. Et comme deuxième groupe qui a fait pression, oligarque. Ou bien missionnaire américain qui vivent en Haïti, il y a une influence sur tout. Ou bien diaspora tout qui a une influence sur tout. Donc tout groupe de pression ça a essayé d'influencer le Congrès américain et. Il y a un autre groupe économique tout qui a intérêt en Haïti qui n'a pas mm-hmm. influencé. Donc, là, on prend cinq groupes de pression qui ont fait pression sur le Congrès américain, qui ont fait pression sur l'exécutif américain, particulièrement le département d'État et NSI. Il y a des gens qui pas vraiment reflété sur les gens dans le pays d'Haïti, sur les Aptan. Donc, où font aller tout toujours dans le cadre diplomatique là, sous les Nations Unies, nous connaissons la politique. Et envoyé spécial a commencé avec Dante Caputo et l'irrivé jusqu'à Madame Lalime. Et l'offre un bilan de lui-même. Et j'en dis tout à l'heure, il est tout à fait négatif. Et tout envoyé spécial et toute mission qui passe. L'offre dans l'organisation des États américains, nous avons monté descendre et Luigi Einaudi comme mm-hmm. secrétaire général et sous Aristide qui était monté descendre 23 fois dans le pays d'Haïti, pas de résultat. Donc au niveau international, là, on a fait de gestion de la politique. Haïtienne qui n'est pas très clair. Mais au niveau interne, tout, bon, réalité qu'on décrit maintenant, qui est très important. Réalité a fait que les politiciens pays n'ont pas jamais défini ça, l'intérêt national pays. Ah, c'est clair. Et dans le cadre de ça qui a fait courir, son accord qu'on tenait manger qu'à régler, qui est-ce qu'il y a une direction générale, qui n'est pas qui ministère, on s'est de groupes petits amis, et puis on regarde tout groupe petits amis politiciens qui dépensent, ils ont tout resté avec et oligarques. Ou pas qu'à fond pays avancer dans ce sens-là. Et dans le contexte de la démission Daniel Foucault, il ne faut pas oublier que un diplomate américain et 192 pays qui existent sous la terre qui ont un diplomate et toute ambassade qui a Port-au-Prince, il y a une grande raison. Mm-hmm. Et son bail creux, on a fait cours dans l'INAGE en préparatoire et en première année. Dans le premier bail, on a dit étudiants en relations internationales. Les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Et son héritage que nous te devons gagner, que nous te devons cultiver, que l'ouverture à Dessalines qui était pour nous. Dessalines a tout ça l'ouverture qui était héritage ça pour nous. Que tout pays qui présent sous terrain là à travers l'ambassade, ils ont des intérêts. C'est ça les relations internationales. Les pays ont des intérêts. Tout ça l'ouverture te comprend que l'intérêt lui c'était la libération générale des esclaves. Il monte dans le camp français, il fait progrès, il n'y a pas qu'à jouer une libération des esclaves. Il traverse dans le camp espagnol là. Pendant le camp espagnol là, il parle avec anglais. Les lui vont côté dans le camp espagnol là. Il bloque, il recommence à négocier à français qui décide à aller plus loin. Il retourne dans le camp français. Je veux dire, on n'a pas de politicien haïtien qui a une capacité ça. Très bien. Ou pas de politicien haïtien qui a une capacité ça. Mm-hmm. Analyse qu'on fait maintenant, pas grand pile politicien haïtien en fonction des intérêts nationaux. Parce que le bagage qui arrive depuis 1995 dans la politique panouan. Si en 1990 et 1995, vous avez mettre tête, qui avez un caractère, qui avez une intégrité, même si vous n'êtes pas d'accord avec vous, les Hubert de Ronceret, les René Théodore, les Gérard Pierre Charles, les Slimaniga, qui avez nanan, qui avez un caractère, et pas aucun mille à Port-au-Prince qui avez mettre, pas aucun goliga qui avez mettre, à partir de 1995, bon gros parti dans la classe politique là qui dans la classe moyenne qui reste avec oligarque Port-au-Prince. C'est pour ça qu'il y en a quoi qu'on tenait manger. Donc je dis à soit chercher là et soit définir là pour pays et pour bâtir pays, c'est la construction de trois partis politiques viables, capables de définir et de défendre les intérêts nationaux. Parce que l'arrivée devant blanc, pour discuter à blanc, sous pas qu'à définir intérêt national là pour défendre l'intérêt. Blanc lui-même lui vini, lui compte qui s'intéresse déjà. Mais c'est ça veut dire que l'ambassade de France en Haïti vient en défini intérêt de la France dans la Caraïbe, intérêt de la France en Haïti et comment pour le défendre l'intérêt de la France en Haïti. Par exemple, il y a un intérêt de la France en Haïti, c'est 52% marché pétrolier. Ouais. Et là, il fait 450 millions de dollars américains par année pendant la pandémie. Ou même, ou pas ça, politicien, pas ça.
et les États-Unis gagnent intérêt national en Haïti. Et chaque pays qui gagne ambassade de Port-au-Prince, li gen intérêt national. Nous, en tant qu'Haïtiens, c'est quoi nos intérêts nationaux? Ça, c'est peut-être la première partie analyse. Wa. Et deuxième partie analyse, wa, c'est la réalité nationale. Et que le leadership que vous gagnez dans tête l'État, concours bien en anglais, il compromise. Elle dit que le premier ministre vous gagnez, il est connecté directement à tous les résidents. Qui ça a négocié pour nous? Qui ça a dit sur les réfugiés? Qui ça a dit sur la défense de nos intérêts nationaux? Monsieur lié directement avec tous les présidents de notre téléphone avec lui, monsieur pas de défense, monsieur pas de explication. Et, ouais, bon, ici, il y a des crimes, c'est tellement comme une obstruction à la justice dans tout le journal américain, parce qu'il est impliqué dans tous les présidents qui sont arrivés avec lui. Ou pas de défendre les intérêts nationaux avec lui. Ou pas de défendre rien. D'ailleurs, non seulement la obstruction de la justice, il n'y a pas l'autre option qui font élection piqué-collé pour mettre les dignités à l'égalité pour 51e législature à venir juger. Qui va nous aller? Donc, moi-même, dans l'analyse qu'on fait là, bien entendu, de la défense des intérêts nationaux, ou à regarder des dossiers économiques, des dossiers humanitaires, sous chaque 1 million de dollars américains ONG ramassés à l'étranger pour nous. C'est 10 000 dollars qui sont arrivés sous terrain. 10 000 dollars. C'est 10 000 dollars qui viennent sous chacun million de dollars qui ont ramassé. 10 000 dollars. Donc, qui est-ce qui doit fixer ça? Ministère de la Planification. Est-ce qu'on a une capacité en dedans pour faire ça? Et la construction. Qui est-ce qui affaiblit l'État noir? Et puis, ça qui est dû à son c'est qu'il n'y a pas de bon rapport. Vous comprenez? Mais c'est ça lié, oui. Ça veut dire que oligarchie, à partir de 1995, ils ont décidé de ne pas affaiblir l'État. Mais ils ont volé tout bien l'État qui rapportait l'argent. OK? Nous construisons et minoterie d'Haïti pour 160 milliards de gouttes. Nous avons une banque au volet pour des gouttes. Nous avons tourner moulin d'Haïti. Nous construisons VAE pour 120 milliards de gouttes. Nous faisons des vols biocadol qui tourner sur Genève. Même bagaille ciment d'Haïti. Même bagaille téléco. L'argent travaille que nous ramassons sous 30 ans qui est dans dollars. Le Réginal Boulot Central prend 2 milliards 900 millions de gouttes. L'ILC fait un rapport qui montre qui est la volet. Nous ne pouvons pas arrêter. Donc la défense de nos intérêts nationaux, ce n'est pas seulement ONGA. Et c'est pour ça, le président Jovenel Moïse a fait un discours. Il dit, moment, c'est moment ça pour nous changer le système. Là. Ouais, n'est-ce pas tout yel pour ça? Ce n'est pas sans raison que n'est-ce pas tout yel. Un, l'étape changer le système. Là. Deux, l'étape combattre le racisme systémique. Et c'est pour ça l'idéologie noire démocratique. Là. C'est notre intérêt national, oui, le noir démocratique. C'est pour ça que noir démocratique a vu nous présenter un danger pour n'est-ce pas. Et c'est pour ça que l'idéologue raciste a goûté contre la noirisme démocratique. Donc, ou même si on définit maintenant la réflexion qu'on fait et qu'on réalise sous lui, son bail qui simple qu'on fait là maintenant, mais qui est capital, vital, central, la défense de nos intérêts nationaux. Eh bien. Mais ils n'ont pas voulu nous défendre l'intérêt national. Nous. C'est pour ça qu'on met un système côté petit politicien classe moyenne. Qui n'a pas contenu à manger, qui va dans la défense de nos intérêts nationaux. Il y a besoin de BMW, il y a un petit caille dans la boule 12 ans, et il y a quelques contenu à manger, il y a un 20 mois là-dedans, et puis il y a une petite démagogie, il n'y a pas de reste là. C'est ça nous gagne là. Mais si vous avez des politiciens, tout bon cap défendre nos intérêts nationaux. Américains, chita, sou, et c'est pour ça que dans l'émission, ça, nous te font débat déjà. Ça, Israël représente pour Américains au Moyen-Orient. Haïti qui a représenté le Caraïbe blanc. Mais faut nous gagner des politiciens, on a peut-être deux ou trois partis politiques solides, capables de défendre nos intérêts nationaux, et qui, si tu as la deal avec les Américains, qu'on compte deal avec les deal correctement. Ou même, on a un problème américain, on veut deal pour défendre l'intérêt nous devant, intérêt nous en tant que peuple. Quelle idée de ça, monsieur? Américains n'ont pas aucun problème pour si tu as avec mon sérieux pour défendre l'intérêt nous. Gardez notre crise là. Dans le tweet que le département d'État fait, ou dans le tweet, il montre que lui-même est sorti pour aider les Haïtiens, c'est le Premier ministre qui a fait défendre les Haïtiens aux États-Unis, il a couru voler au tourné. Alors que le Premier ministre a dit, bon, mission nous à l'étranger pour prendre un avocat pour eux, etc. Parce qu'il y a des droits qui doivent respecter selon la Convention internationale, etc. Gardez ce gouvernement américain qui prend position plus pour Haïtiens que le gouvernement haïtien lui-même. C'est sénateur américain, groupe société civile américaine qui prend position pour nous-mêmes. C'est grave, c'est grave. Pourquoi gouvernement nous
Pour qu'on bouge ça. Parce que le premier ministre, dans tout le président, il y a des positions vagabondes. Ouais. Monsieur, dans tout le président, il participe clairement dans tout le président. Regardez ça, monsieur, fait là, hier, Louko, avec Bernard Saint-Ville. Commissaire gouvernement, écrit Digicel, il m'a dit Digicel, regardez si le premier ministre a parlé vraiment à Badio Joseph pendant le président l'a tué. Il y a eu une joie, oui. Koulia, commissaire Bedford Claude, mettons interdiction de départ pour le premier ministre, comme on est qui est impliqué dans tous les résidents. Qui ça que tu dois faire? Là où il va devant Bernard Saint-Ville, le premier ministre pour un avocat, Beto Dossé, qui c'est avocat, son génie, Dimitri Vop, pour l'autre bagarre encore qui montre qui côté n'est qu'il campé. Là où il va devant Bernard Saint-Ville, ni lui-même, ni commissaire gouvernement que Ariel nommé en France, François Louis-Jus, n'est qu'il à la fois juge et parti. Dans la décision que vous prenez pour lever l'interdiction de départ, là, dans la décision ça, Bernard Saint-Ville te doit montrer dans la décision qui côté n'est qu'il y a une preuve que le premier ministre n'a pas parlé avec, pas impliqué vraiment dans tous les présidents et pas parlé avec l'assassin, il n'y a pas fait ça dans la décision. Et vous voyez le double standard qui montre la corruption, je n'ai pas corrompu la justice. Les dossiers Wendel contre la TIV devant Bernard Saint-Ville, lui voyez le juge d'instruction. Pour qui ça n'a pas Ariel Henry a lui courir à lever l'interdiction de départ là, sans que Ariel pas bail aucune preuve qu'il pas pas là bas de Joseph. Et parce que alors Stanley, les deux font point avant là. Non soit dit Stanley. La défense des intérêts nationaux ne peut pas se faire avec un premier ministre impliqué directement dans l'assassinat du président de la République. Ne veut dire on va Stanley. Allez dire que l'organisation non. Vous allez Stanley. Il va te donner. Et ça pose une question et pour qu'on finir. Et ça pose une question. Oui, allez-y. Alors point de le faire avec Stanley c'est que et dans quatre dossiers ça c'est forme nan attaqué yo attaqué forme nan et selon information gagne lettre révocation la lettre de révocation de maître Belford a été antidatée donc monsieur Belford te prend décision le 14 lettre la antidatée yo prend décision pour évoquer monsieur le 13 donc ça veut dire que c'est ça qui passé là non bon bagay même dans obstruction de la justice là nèg yo sorti lèt lui nèg yal fon lèt yo met on date 2 jours avant que yo fè lèt la et tout moun vinn wè que lèt la pa t'existe ça après yo vinn fè nan cas d'obstruction de la justice qui a fè a regarde le commerce on vinn a ga fè de forme qui ka empêcher yo joine nous non vous le jodi a peuple a gen des questions fondamentales li poser et c'est pour ça Ariel tout tourni comme une nèg qui participe dans tout le président peuple a mandé Ariel expliquer qui j'en fait que pendant que tout le président était dans l'hôtel Montana, non seulement on parlait deux fois pendant l'assassinat du président à 4h30, 4h20 matin le 7 juillet, mais avant même que le crime n'ait été fait, tout est qu'on parle avec lui dans le téléphone. Viens expliquer nous ça en tant que peuple. Nous ne sommes pas capables de faire la explication. Le peuple a été en tout pour nous, comme une nanette qui participait dans tout le président. Donc c'est ça quoi ça clé dans tête peuple là. Donc les peuples là, ouais, monsieur, comme une qui participait dans tout le président, et nous, ouais, qui est-ce qui sous tête lui? Donc je vous dis à. Est-ce que monsieur a défendu les intérêts nationaux? Les Daniel Foot démissionnaire, il y a un débat diplomate là, pas dit, son diplomate qu'il y a. Pour des raisons, comment il est ça aux États-Unis, méthode, pour des bagailles de méthode. Qui ça a passé qu'on y a là? Qui ça a passé qu'on y a là? Qui ça a arrivé qu'on y a là? Bon, et pour me répondre à une question, là, bon, je vais me dire rapide. Allez-y. Aux États-Unis, il y a les méthodes. Le gouvernement américain n'a pas de méthode en matière de renseignement qui vient l'opérer. Mais nous tous qui sont panel là connaissons qu'une institution américaine qui est le NSC, en français ou le NSA ou bien créole le NSA, institution ça a enregistré tout appel téléphonique qui fait dans le monde chaque jour. Elle dit que l'interview qu'on a fait là, il a enregistré le téléphone de quoi, il a enregistré le téléphone Stanley, il a enregistré le téléphone Isaïa, le téléphone Tatou. Il y a besoin demain matin à le prendre. N'importe qui date côté parler, il a besoin de le prendre. Daniel Foot bien connaît que il n'a pas dit publiquement. Même si quelqu'un connaît que Ariel Henry participait dans tous les présidents. Nous c'est quelqu'un connaît ça lui-même en tant que le gouvernement américain pas joué, lui mettait des institutions pour avoir les moyens de sa politique. Les ODU, FBI, CIA et NSC, c'est pour griller dans quel lien non. Mais yo tout va tout mener et yo gagne ça au besoin pour mener politique au clair. Elle dit que ouais, des formations qui étaient sorties, il y a coûté parole, conversation, premier ministre, qui pays du monde ça. Ou c'était Australie ou bien en Angleterre qui bagaille. C'était un gros problème. Elle dit que chaque jour, toute conversation qui était téléphonique, qui fait institution américaine, ça a enregistré tout. Daniel Foucault, on est que Ariel Henry participait dans tous les présidents. Qui ça qui arrivait, Konya? Qui ça qui arrivait, Konya?
qui participe dans frontière révolté monsieur parce que dans mitan américain gen républicain gen démocrate qui très sensible à nous-mêmes qui les regarde moun ko blanc ko marron ko noir ko quel que soit couleur ko ya yo regarde autant que moun majorité peuple américain et consalié qui pas raciste li regarde majorité moun tant que moun tout bon pour majorité peuple américain j'ai a traité moun noir qui sorti Haïti sous frontière révolté et li révolté gouvernement Biden mais gont minorité raciste qui existe aux États-Unis c'est eux même qui mettez raciste systémique dans l'état américain c'est eux même que Biden a goumé contre eux à démocratie c'est dans mitan démocratie gont majorité démocrate qui a publié non ou gen des républicains qui sensible à nous même tant que Rubio tant que Lindsey Graham qui a essayé de tout pour les qui ça pral fait bon et depuis Washington Post fin écrit et te dit clairement Ariel Henry clairement après obstruction à la justice et participer dans tous les présidents mango monsieur tant que nèg te dit mango monsieur min déjà pour y a c'est qui je vais remplacer monsieur c'est tout est-ce que moi même t'es toujours pour la solution institutionnelle est-ce que cabinet ministériel la prend responsabilité monsieur mettez comme nèg qui participer dans tous les présidents sous côté et mettons mon premier ministre c'est ça les solutions institutionnelles là si c'est la réaction sorti Louko, je te jure, nous avons fait simulation. Si c'est la RIA qui sort, il n'est pas bon pour nous. Parce que j'ai tellement de colère dans la RIA. J'ai colère contre les gens. Un peu de frustration. J'ai colère par rapport à 700 000 personnes dans le grand site qui n'ont pas gardé ton couchant ou pas occupé. J'ai colère sous frontière pour les gens qui n'ont pas aucun avocat qui l'État voyait défendre. C'est moi-même qui oblige à prendre l'ONG. Voyons 200 avocats sous frontière et des ONG qui m'a travaillé dans l'immigration depuis longtemps pour défendre l'intérêt haïtien. Nous voyons 200 ONG sous frontière défendre haïtien. Collègue qui gagne dans l'aria si nous quitter l'aria soit qu'il pas bon pour pays à louko on met tout conclu pour nous et sonné bien en tant que spécialiste en développement politique et n'est cap chercher stabilité pour pays à clair que Ariel Henry un a fait obstruction à la justice deux parce qu'elle participer dans criminalité pas faire élection libre et démocratique faut font élection champouel pour mettre nèg unité nèg oligarque pour que 51e législature pas venir juger donc faut qu'on remplace lui. Donc le remplacement doit être institutionnel et nous espérons que les gens qui sages dans la politique, particulièrement dans le cabinet ministériel, là, ils prennent responsabilité au sérieux. Et si le pays a crasé, c'est eux-mêmes qui prennent responsabilité là. Donc nous espérons que les gens qui t'attendent là apprennent nos bagailles et puis continuent dans l'analyse. Et surtout, faut me remercier pour le pluralisme politique qu'on mettait dans l'émission ça. Ouvrant les gens dans tout secteur politique, de tout courant politique. Et Mabdou, franchement, Louko, gen de toi radio, depuis annoncé une primatia, elle est campée. Et yo perd débat politique, yo perd le pirablisme politique, yo perd la liberté d'expression. Mais même nèg nan primatia qui nan section communication, que premier ministre a fait les radios, ensemble à l'autre dame, qui compte là. Mais dis mes amis, nous ne pouvons pas bloquer la liberté d'expression en Haïti. Gen trop gourmets qui fait tout ça. Bon Dieu, nous, gen bela. Merci bien. Bon, voilà donc c'était donc Stanley Louka. Ok, je dis à. Nous parlons un petit peu plus tard qu'une heure, on a fini un petit peu plus tard qu'une heure. C'est très important parce que nous avons deux points critiques. Bon, bien entendu, nous avons peut-être traité tous les trois et ensemble sans problème. Mais Shakiri était là, lui, extrêmement important. Parce que là, nous finissons de regarder le dossier Daniel Foutlan. Nous attendons sénateur Youla Tortue, nous attendons le colonel Imler Rebu, nous attendons Sandel Luka. Et maintenant, il faut nous retenir. C'est vrai que l'information. Mais nous, Maurice Soulignan, là. C'est vrai que nous parlons avec des gens qui ont même dans le circuit, en fait, officiel. Donc, ouais. États-Unis d'Amérique, qui, selon eux-mêmes, et que le secrétaire d'État américain n'est pas capable de refuser d'émission. Refuser d'émission. En tout cas, n'a pas été bon. Selon le fonctionnement du gouvernement américain. Selon le fonctionnement. Donc, l'automatique que accepter de fait et la démission de monsieur Foot mais qui prend quand même conséquence sur gouvernement sur administration Biden Harris là c'est clair en fait parce que Jean va la présenter hein. Et alors madame Sisson n'a pas arrêté trop de temps pour ambassade là 15 octobre ouais à partir d'octobre là moi c'est fini 15 octobre c'est date limite pour madame mais la retourner dans le département d'État hein. Oui bien sûr ils sont fonctionnaires américains OK maître de Michel a invité une très bientôt.